sur Vision 2000. C'est le journal du matin, un show vision qui trouve chez vous à la une de l'actualité. Au moins trois personnes, dont deux enfants de 3 et 7 ans, membres d'une même famille, ont été tués, deux autres blessés dans un glissement de terrain provoqué par les pluies qui se sont abattues sur Port-au-Prince mardi soir. Et le Bureau des avocats internationaux, BAI, informe avoir mis sur pied une structure avec l'appui d'autres organisations de droits humains appelées à veiller au respect des libertés publiques lors des manifestations. Guylain Sédelvin a pris ses fonctions hier comme nouveau ministre à la Culture et de la Communication. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Marie Guétanois. Guy Delva remplace à ce poste l'ancien prêtre Limon Toussaint. Le responsable de SOS Journaliste a promis de ne pas verser dans la propagande. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, a répondu hier à une invitation de la Commission de Défense de la Chambre des députés. La discussion a porté sur le dossier relatif à l'élaboration de la loi organique des nouvelles forces armées d'Haïti, ainsi que sur les problèmes de sécurité dans les zones frontalières. Edmond Soublis-Bozil écarte toute possibilité de renoncer à la présidence de la fusion des sociodémocrates en dépit des nombreuses contestations suscitées par sa réélection. Elle a invité les contestataires à rentrer dans les rangs. Deux cartels avaient boudé le congrès de la fusion le week-end dernier en raison, selon eux, de l'absence de la transparence dans le processus. La compagnie aérienne American Airlines a repris mercredi ses vols à l'aéroport du Cap-Haïtien à destination de Fort Lauderdale aux États-Unis. La veille, plusieurs compagnies avaient suspendu leurs vols en raison de certaines fissures sur la piste d'atterrissage. L'actualité sur le plan international, le Nicaragua est dans l'attente d'un dialogue national sous l'égide de l'Église alors que se multiplient les témoignages de violation des droits de l'homme pour des 6 jours de manifestations qui ont fait 34 morts. Plusieurs centaines de migrants en Amérique centrale qui ont remonté le Mexique en formant une caravane se sont regroupés hier à Tijuana, à la frontière avec la Californie, avec l'intention d'entrer ce week-end sur le territoire américain malgré la menace de Donald Trump de les refouler. Le président français Emmanuel Macron a lancé hier un vibrant appel aux parlementaires américains pour un multilatéralisme fort contre le repli nationaliste dans un discours congrès en forme de critique de l'Amérique d'abord de Donald Trump. L'invité du journal ce matin, le professeur Victor Benoît, membre de la Fusion, pour parler de la crise qui secoue la fusion des sociodémocrates. L'invité du jour à partir de 8h15. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radiovision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportage, interview, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informé, c'est notre métier. Informé, c'est notre passion. Cette édition d'information est réalisée par Dominique Jean-Baptiste et Léon Kerr Civil, Harry Junior Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-Lucie Bonomopon et Inon Charisma. Bonjour à tous, bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Inon, et bonne journée à toutes et à tous. Ouverture de ce journal, au moins trois personnes, dont deux enfants de 3 et 7 ans, membres d'une même famille, sont mortes, deux autres blessés dans des glissements de terrain provoqués par les pluies qui s'abattent sur Port-au-Prince depuis mardi soir. Il n'y a plus encore hier. À noter que les deux blessés sont les parents des deux enfants qui ont péri. À noter également qu'une femme est morte dans l'effondrement de sa maison. Ça s'est passé mardi soir toujours suite à un glissement de terrain dans la zone du canapé vert. Son nom, Jésulem Dori, est âgé de 31 ans. Les précisions de l'ingénieur Joseph Junior Michel, le coordonnateur national de la protection civile. Nous avions 10 heures du soir, nous étions dans un cas
dans la zone canapé vert. Nous avons monté sous place. C'est grand représentant de protection civile pour le président chef de la dignité là. Des concerts avec lui, nous avons une dame en bas. On caille côté Pointe-Théa. On dit qu'on est canapé vert, bien loin, monter mon nom. On voit sous bord droite avant qu'on prenne Iguana. On voit qu'on réserve qui vont le reçu. Pas derrière là, zone dans son zone qui est vraiment vulnérable. Après, on va venir entre Sainte-Marie. Madame qui mourit là, Désimène Dori, qui âge de 31 ans. Marie était là tout, qui c'est Calix Hans. C'est pas une petite information. Et il y a autant de Théa et l'Itandan. C'était un paquet de constructions qui fait. C'est pas des gros cailles qui ont ici. On pièce des pièces qui fait. Bout de à tomber sous cala, évidemment, en bas, c'est en bas, net. On peut foutre tout dans ces mondes qui en bas là, vous net, vous retirez. Et ça qui nous dit Maria? Bon, Maria, il dit dehors, vous nous dites, c'est dans notre tendance. Mais ça, pas de dame ça qui nous dit, pas de dégâts? Non, bon, des dégâts, nous, depuis qu'il y a la vie, nous avons déjà paniqué. Parce que sur la vie même, passé, qui descend de la vigne, qui descend pour le commissariat. Vous avez dit là que la construction s'est faite dans la vigne. C'est en dehors avec même mon travail. Et son la vigne, qui fait avec des flamandes, avec toujours des têtes cassées parce que c'est mon potier qui fait pour mon habité. Nous, mon lieu, il prend risque quand même et c'est pas gros maison. C'est des détails qui couvrent un sol. Et nous, ça va vous dire qu'on voit quelques semaines de temps, il y a des petits qui courent dans un salon et même malade. C'est qui vide, c'est tombé sur le monde, malgré nous-mêmes au niveau de protection civile, donc une mobilisation, et d'un but qui n'est pas assez parce que nous sommes très vulnérables. Justement, par rapport à la précarité, précarité économique, nous devons continuer à construire dans n'importe quelle condition. Nous assistons assez souvent à des dégâts à la cause. Vous messages particulièrement pour nous construire dans les conditions ça. Oui, même nous n'avons pas de construire là, mais puisque nous mettons là, c'est pas une grande construction qui est dans la ville. Non, c'est des centaines de constructions qui est le temps pour nous. Tout le travail, c'est pas seulement pour protection civile, l'État, pour nous construire. C'est ce qui est des c'est toi qui et tout, c'est toi qui suicider. Donc, nous devons supposer qu'on est dans n'importe condition. Oui, parce que moi-même, hier soir, je me suis dit là, extrêmement compliqué. C'est des décisions qui sont plus hautes d'État pour nous dans la situation. Ça. Depuis que la vie, la prison de base a toujours été. Voilà, le coordonnateur national de la protection civile, l'ingénieur Joseph Junior Michel, qui apportait des précisions concernant les victimes de ces deux jours de pluie à Port-au-Prince, et on va dire quelques heures tout simplement, déjà à trois morts, deux enfants et une femme, et je suis Dori, 31 ans, et bien elle est morte dans les fondements de sa maison suite à un glissement de terrain au niveau de Carnap et Vert. Et à noter que la route est bloquée au niveau de Pernier ce matin. Nous aurons avec nous notre collaboratrice Stéphanie pour plus de détails concernant la situation à Pernier. Et puis, la circulation est extrêmement difficile au niveau de Clercine, plus précisément dans la zone appelée. Étant des précisions un peu plus tard dans cette édition des formations. Le député de la vallée de Jacmel, Franck Lauture, attire l'attention des autorités gouvernementales sur un climat de tension qui règne dans sa circonscription depuis hier. Depuis mardi, en cause d'un mouvement de protestation cloché par les habitants de la zone pour exiger la reprise des travaux de construction de la route principale de la vallée de Jacmel, interrompue depuis deux ans, a indiqué le parlementaire qui en appelle donc à l'intervention du gouvernement. Faire clôture avec l'enquête civile. Pour attirer attention au pouvoir exécutif là, notamment sur une situation de tension qui prévaut à la vallée depuis hier. Donc je dis à la vallée sous deuxième journée de manifestations caractérisées par barricades enflammées, protestations, etc. Il est question de protester contre la rupture des travaux de construction de la route de la vallée de Jacmel, et ce depuis tantôt deux ans. Depuis moins là,
m'a fait comprendre pouvoir que la vallée tient absolument à Outsa qui était commencé sous régime tête calée à première version. Tout le monde la vallée était attendu à ce qu'avec un pouvoir Jovenel Moïse, issu de la famille tête calée, t'apprends à gagner continuité dans la question Outsa. Mais malheureusement, faut faire de constater que route la vallée a été reléguée aux oubliettes et malgré nous toujours sonner et à l'âme, mais on dirait que le gouvernement a les oreilles imperméables. Et demander au gouvernement, tant pis, vous regardez la population de la vallée, parce que le mouvement de protestation, ça, on est capable de dire, entraîne dysfonctionnement, toute activité sociale et économique et commune de la vallée. Le compagnie qui est en charge de construction, ça, je me rappelle que c'est comme ça. Je me rencontrais responsable c'est comme ça il y a à peu près 4 mois. Bon, moins des documentations qui établit que en avril 2017, FIMSA a été fait en réquisition à ministère de planification et concernant un arriéré, alors pas bien arriéré, en dette qui franchit la barre des 2 millions de dollars. Suivant document que c'est pour ça que BAM, ministère de planification de réagir pendant que le débat est fini, on pourrait 50% dans le montant ça. Et le responsable de FIMSA connaît que si ministère de planification baille au reste 50%, ça veut dire acquitter de dette là, même si au pas bailo un montant supplémentaire pour continuer, mais à continuer de travailler quand même. Voilà le député de la vallée de Jacquin font clôture concernant cette situation de tension dans sa circonscription. Un mouvement de protestation est déclenché par les habitants de la zone pour exiger la reprise des travaux de construction de la route principale de la vallée de Jacquin interrompue depuis 2 ans. Vision 2000, 6h51. Vous suivez le journal du matin. Info Vision, on a accueilli Léon Kersivi. Léon, bonjour. Bonjour Marie-Lucie, bonjour toutes fidèles auditeurs Radio Vision 2000. Et c'est concernant la situation qui a déroulé en Pernier. Bon, Marie-Lucie, depuis hier, nous t'ai appris et que Pernier est bloqué. Et nous avons regardé à travers les réseaux sociaux et l'image côté nous avons tout boulé, barricade, pas de gain circulation Pernier. Mais maintenant, quand nous levons, c'était le même genre. On connaît que nous avons et collaborateurs, des collaboratrices, nous, Stéphanie Rigaud, qui est dans notre nom. Et que maintenant, on dirait les noms, il n'était pas là avec nous, pour t'expliquer nous comment la situation est Pernier. Et nous n'étions pas là avec tout le monde qui a fait mouvement, qui t'a expliqué nous, que c'est il a fait mouvement ça pour demander construction route Pernier. Et monsieur a expliqué nous que c'est une route à chaque fois la pétobie et route la pas faite, chaque fois la pétobie ben, qui va ben, y avoir un problème, on ne peut pas passer des fois et de l'eau qu'on rentre la caillou même. Régulièrement, c'est sur ce côté extrêmement difficile et Pernier, donc de m'attendre et ça qui est pour l'expliquer nous pour qui ça y a fait mouvement ça et Pernier qui est bloqué, et bien, on va dire depuis 2 jours, attendez. Actuellement, nous sommes au Pernier bloqué depuis hier, Pernier bloqué. Donc, maintenant, là, je tourne avec mobilisation, puis depuis 14 du matin, en façon, que des capables de nous travailler à l'école d'eau. Qui ça qui à la base qui fait mon lieu à bloquer les zones comme ça? Habitants ont fait connaître qu'il y a des informations que comme pour permis en fait de débloquer. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont commencé avec mobilisation, une façon pour être capable de prendre des voies, une façon pour l'autorité, ils ont même qu'à dire dans la situation. C'est un route que je vais jamais passer dans la donne. Faut que nous disions, c'est aussi. La pluie toujours a tombé. Donc, depuis la pluie tombée, nous avons des difficultés pour entrer la caillou parce que l'eau descend de tous côtés. C'est ça que fait, c'est le mouvement ça, même le camp de mobilisation. Pendant le premier bloqué depuis hier après-midi, vous avez connu, est-ce que pourquoi j'aime des présences d'autorité dans la zone là? Pourquoi j'aime des présences d'autorité dans la zone là, d'après ça, nous constatons et d'après ça, habitants et dit, c'est un souvent et vers 9h10h. On ne peut pas rentrer sur tout le monde qui est avec machine, on ne peut pas rentrer dans la zone du tout. C'est un backup Udno lui-même qui t'est venu, qui t'est aidé, habitant et raisonné lui-même, puis on dit plutôt qui t'est venu, qui devait rentrer, et puis matin même, il a tapé
mobilisation encore. C'est ça que faire. Voilà, et ça c'est collaboratrice Stéphanie et Rigo concernant la situation qui gagne l'an dernier depuis deux jours. Mon dernier est placé au SOS pour construire et route là parce que situation très 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 critique au niveau de Pernier, surtout gain la pluie et là nous gagnons plusieurs jours. De plus imaginer et qui sont situation est au niveau de l'épargne. Après, collaboratrice Stéphanie Rigaud qui répondait que la première question Léon Kersivé, mais nous allons attendre et la Konya, une épargne qui a vivre une situation qui a expliqué et pour qui ça, mouvement, on t'a fait toujours au micro de Léon Kersivé. Voilà. 42% de la population haïtienne n'ont pas accès à l'eau potable selon les Nations Unies pour l'environnement et les populations ont difficile d'accès à la pluie de l'or et cela n'empêche que certains s'inquiètent en période pluvieuse en raison des risques d'inondation et de glissement de terrain plein là-dedans. Un reportage signé Lovely et Stanley Nima pour l'Action pour le climat, l'environnement et le développement durable et à l'aide Haïti. Pour les habitants de Fort-Jacques, de Fermat, de Thomassin, de La Boule et des quartiers avoisinants, l'eau de pluie vaut plus que l'or, car ils éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer de cette richesse naturelle. Et pour y parvenir, les habitants de ces quartiers posent toute une série d'actions. C'est ainsi qu'ils ont aménagé un espace afin de récupérer l'eau de pluie pour usage domestique. Diola Altidor vit à Fort-Jacques. Pour cette dame qui frise la soixantaine, la problématique de l'eau est une source d'inquiétude dans la zone. C'était une source. Nous-mêmes, nous avons construit un côté que j'ai là. Après, nous avons côté, dans mon projet, nous avons pris de l'eau libère. Pour nous, il y a une organisation qui vient de la réserve dans la zone. Diverses actions sont menées dans ces quartiers situés dans les hauteurs de Pétionville pour adresser le problème de l'eau qui guette la population au quotidien. Gauthier Dieudonné explique comment procéder à des constructions adaptées pour la récupération de l'eau de pluie. L'idée de concevoir la construction, on fasse un espace en ces deux tuyaux qui positionnent en ces deux côtés qui pour collecter toute l'eau la bien sous toute toiture. Là. On a une portion qui fait une pyramide, une portion qui fait un chameau, même collecter non seulement autour de toiture là, vous contournez là avec brique pour qu'un bout de l'eau et puis vous dirigez le verre tuyau local débouché dans le réservoir. Depuis plus de 10 ans, Pierre Faro, propriétaire à Fort-Jacques 8, commercialise l'eau de pluie récupérée depuis la toiture de sa maison. Tout le monde dans ce bassin cultivé. Chaque monde a un bassin, deux bassins, trois bassins, quatre bassins. Non seulement des bassins pour servir la caillou, ou faire business avec tout. Oui, mais ça fait ça. Le monde qui n'a pas gagné lui-même. L'aile pas gagné, on a mis le cabanon beaucoup de l'eau, beaucoup de l'eau. Mais si on avait dit trois dômes devant nous, on est Jean, elle est toujours belle, elle est même nous. Elle est propre bien. Nous mettons un peu de médicaments là-dedans. Ça, on mettait là.
à quoi table la dan, mette à quoi fin, qu'on a douze abajam, ni gen bête, ni gen paille, ni gen anye. Qu'on a le bassin en fini, ou lave bassin. Ou propre petit lit encore, puis retourner pour un de l'eau, tout fait même travail là toujours. Égal toujours gen monde de groupe service. Comment est-ce que vous vendez l'eau là? Ou va venir chez tu, vous devant un bouquet. Il est plus qu'évident que l'eau de pluie revêt une importance capitale pour les habitants de ces zones difficiles d'accès. Oui, ça a quelqu'un plus d'importance parce qu'avant récolte, nous toujours jeunes nous faire pépinière pour nous capables, les récoltes pour nous capables de travailler. Faire toute bagarre, nous jeunes nous laver, nous faire manger. Moi-même, bon, la carrément, c'est source de vie parce que nous dépendons de lui complètement. Selon Emmanuel Molière, directeur du Centre en technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince de la DINEPA, ce problème de distribution d'eau potable constaté dans bon nombre de quartiers situés en hauteur est dû non seulement à l'activité humaine qui existe dans les périmètres de protection des zones concernées, mais aussi et surtout à l'incapacité financière de l'État. Oui, bah, là, on parle de l'aménagement du territoire, il n'y a pas de supposer trouver là. Ce côté, on y habite, et on habite en quelque sorte dans les sociaux. Ça arrive au périmètre physique de protection sociale. Ça fait que nous avons assisté qu'on a fait sociaux, débit au volume de l'eau, il a diminué considérablement. Il y a même dans tout, les ressources là, tout, il y a altéré du point de vue qualitatif. Pour ceux qui ont des pollutions fécales, qui fréquentent là-dedans. Joindre l'unité hydrométéorologique concernant les données statistiques de ces zones mentionnées reste sans résultat. Les responsables de l'UHM ne disposent pas encore de ces chiffres qui sont de grande utilité. Lovely Stanley Luma, Vision 2000. Merci, Lovely Stanley Luma, cette note du ministère des Travaux publics et Transports et Communications qui informe que des travaux de reprise de chaussée seront effectués sur la route de Delma, de Delma 5 à Delma 60 par les consortiums Remix durant la période allant du 25 avril au 3 juin 2018. Donc, depuis hier, cette travaux seront exécutés tous les jours entre 9h du matin et 5h, entre 9h du soir, pardon, entre 9h du soir et 5h du matin, et ce sur le côté de cette importante artère. Cela concerne la route de Delma 105 à Delma 60. Vision 2000, le journal du matin, il est 7h02. Fonction hier comme nouveau ministre de la Culture et de la Communication. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Santé et de la Population, Dr. Marie-Rita Wacklin. Guidelva remplace en ce poste l'ancien prêtre Limon Toussaint. Le responsable de SOS Journaliste a promis de ne pas verser dans la propagande. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, a répondu hier à l'invitation de la Commission défense de la Chambre des députés. La discussion a porté sur le dossier relatif à l'élaboration de la loi organique des nouvelles forces armées d'Haïti ainsi que sur les problèmes de sécurité dans les zones frontalières. La crise au sein de la fusion des sociaux-démocrates et de l'entreprise voisine écarte toute possibilité de relancer à la présidence de la fusion des sociaux-démocrates en dépit de nombreuses contestations suscitées par sa réélection. De Cartel a demandé le congrès de la fusion le week-end dernier en raison de l'absence de la transparence dans le processus. La compagnie aérienne American Airlines a repris hier ce vol à l'aéroport du Cap Haïtien à destination de Fort Lauderdale aux États-Unis. La veille, la compagnie aérienne a suspendu le vol en raison de certaines fissures sur la piste d'atterrissage. L'actualité est de nos frontières vers un dialogue national au Nicaragua après 6 jours de chaos et 34 morts. Plusieurs centaines de migrants d'Amérique centrale qui ont remonté le Mexique à former une caravane se sont regroupés hier à Tijuana, la frontière avec la Californie, avec l'intention d'entrer ce week-end sur le territoire américain. Malgré la menace de Donald Trump de les refouler, la caravane de migrants qui a progressé de ville en ville à travers le Mexique
devenu un point d'accroc dans les relations entre Washington et Mexico. Donald Trump a diffusé une salve de tweets de lui avoir repressé les autorités mexicaines de bloquer sa progression. Les migrants disent avoir quitté le Guatemala, le Salvador, le Honduras en raison de menaces de mort lancées par des bandes armées ou bien en raison de l'assassinat de certains membres de leur famille ou de persécutions en politique. Le président français Emmanuel Macron a lancé hier un vibrant appel aux parlementaires américains pour un multilatéralisme fort contre le repli nationaliste dans un discours au Congrès en forme de critique de l'Amérique d'abord. Donald Trump. L'opposition Victor Benoit, membre de la fusion des sociaux-démocrates, est l'invité du journal ce matin. C'est ici, une à toute première fois. C'est toi et c'est un membre d'une même famille a été tué, deux autres blessés dans des glissements de terrain provoqués par les pluies qui se sont abattues sur Port-au-Prince mardi soir. Les deux blessés sont les parents de deux enfants qui ont été tués. On notait que la route est bloquée au niveau de Permis, les habitants de la zone réclament la construction de cette route Permis qui la circulation, il faut dire, à Permis est extrêmement difficile en raison de la pluie. Et puis, sachez que 42% de la population haïtienne n'a pas accès à l'eau potable selon une note d'information de l'organisation des Nations Unies et pour l'environnement et des populations difficiles, l'accès à la pluie de l'or. Cela n'empêche que certains s'inquiètent pour une période pluvieuse en raison des risques d'inondation. 7h18, la presse internationale du journal dans quelques secondes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000.it. Bonjour Andrew. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous et à toutes. Vers un dialogue national au Nicaragua après 6 jours de chaos qui ont fait 34 morts. Le Nicaragua est dans l'attente d'un dialogue national sous l'égide de l'Église alors que se multiplient les témoignages de violations des droits de l'homme au cours des 6 jours de manifestations qui ont fait 34 morts. De nouvelles marches et des veillées d'étudiants ont été organisées hier à Managua et dans d'autres villes du pays afin de demander justice pour les personnes tuées et détenues lors des récentes manifestation d'une rare violence. Le nouveau bilan des victimes communiqué hier par le Centre nicaraguayen des droits de l'homme fait état de 34 morts, en majorité des étudiants, mais aussi 2 policiers et 1 caméraman abattus en plein reportage. Le nombre de décès pourrait monter dans les prochaines heures alors que 66 blessés sont à l'hôpital, dont 12 dans un état grave et en soins intensifs et que 16 personnes sont toujours portées disparues, a précisé Marcos Carola, président de l'ONG. Des jeunes qui ont été emprisonnés lors des manifestations ont affirmé avoir été battus par les policiers. Mardi, l'archevêque de Managua, Leopoldo Brines, a accepté de servir de médiateur et témoin du dialogue en insistant pour que le gouvernement évite tout acte de violence. Le président Daniel Ortega, ex-guerriero de 72 ans, confronté à une vague de colère sans précédent depuis son arrivée au pouvoir il y a 11 ans, a joué l'apaisement en libérant des dizaines d'étudiants arrêtés lors des manifestations et enlevant la censure appliquée à une télévision locale. Il a aussi cédé à la pression de la communauté internationale, inquiète du zèle des forces de l'ordre. L'Union européenne, les États-Unis et le Vatican ont critiqué la force excessive utilisée par la police. L'ONU a même dit soupçonner de possibles exécutions illégales. Le parquet général du Pérou a décidé d'engager une procédure judiciaire contre l'ex-président Alberto Fujimori pour la stérilisation forcée de 5 femmes au cours de son mandat, affirmé hier un organisme des droits de l'homme. Et le procureur général Luis Landa a ordonné une procédure judiciaire contre M. Fujimori et 3 de ses anciens ministres de la Santé, les accusant d'être à l'origine des cas de stérilisation forcée de Mamerita Mestanza.
Célia Ramos, ainsi que les trois autres femmes qui ont subi des blessures graves et sont décédées, a déclaré l'avocat des familles des victimes, Milton Campos. Maître Campos, avocat de l'ONG Demus, qui défend les droits des femmes, a affirmé qu'au cours du mandat de M. Fujimori, il y a eu au moins 2164 cas de stérilisation forcée. Dans son ordonnance de renvoi, le procureur Landa se dit convaincu d'avoir en sa position suffisamment d'éléments pour accuser l'ancien président Fujimori, ses ministres Marino Costa, Eduardo Yon et Alejandro Aguinaga, ainsi que d'autres fonctionnaires, a affirmé M. Campos. En décembre 2016, les victimes, conseillées par Demus, avaient fait appel de la décision de la procureure Marcelita Gutierrez, plus classée partiellement en ce dossier. Les victimes avaient déjà porté cette affaire devant la justice il y a 15 ans. En novembre 2015, le gouvernement péruvien avait ordonné la création du registre national des victimes de stérilisation forcée. Pour sa part, le candidat Pablo Pedro Kuczynski, qui a été le président à l'issue des élections, avait qualifié cette pratique de crime contre l'humanité et a promis d'amnésier les victimes. 20 mois après son arrivée au pouvoir, ces dernières n'ont toujours rien perçu. L'ex-président Kuczynski a dû démissionner en mars après avoir gracié en décembre l'ex-président Fujimori, 79 ans, condamné à 25 ans de prison pour corruption et violation des droits de l'homme. Un photo mexicain star sur YouTube avoue avoir dissous dans l'acide les corps des trois étudiants en cinéma disparus en mars, dont la mort a été confirmée hier par les autorités. Christian Omar Palma Gutierrez, également connu sous le nom de QBA, est accusé d'avoir pris part à la disparition de Salomon Aceves Castellum, 25 ans, Daniel Tias, 20 ans, et Marcelo Avalos, 20 ans, assassiné et torturé par un groupe criminel dans l'état de Jalisco. Le rappeur a confié avoir reçu 3000 pesos, soit 159 dollars par semaine pour travailler pour le cartel Jalisco Nouvelle Génération, une des plus puissantes organisations criminelles mexicaines. Il aurait été recruté par un ami 3 mois plus tôt. Il a participé à 3 autres meurtres auparavant, a indiqué la responsable de l'enquête, Lisette Torres. Les 3 étudiants avaient disparu en mars au retour d'un tournage à Tonala, près de Guadalajara, et dans le cadre de leurs études universitaires. Plusieurs centaines de migrants d'Amérique centrale qui ont remonté le Mexique en formant une caravane se sont regroupés hier à Tijuana, à la frontière avec la Californie, avec l'intention d'entrer ce week-end sur le territoire américain, ce malgré la menace de Donald Trump de les refouler. La caravane de migrants qui a progressé de ville en ville à travers le Mexique est devenue peu à peu un point d'accroc dans la relation entre Washington et Mexico. Donald Trump ayant diffusé une salve de tweets début avril pour presser les autorités mexicaines de bloquer sa progression, l'arrivée des migrants risque de compromettre les relations, les consultations en cours pour renégocier l'accord de libre-échange nord-américain à l'ENA. Et le président américain menace de déchirer si le Mexique n'indique pas sur son territoire l'afflux de migrants d'Amérique centrale qui cherchent à atteindre les États-Unis. Le secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kirsten Nielsen, a déclaré que ses services surveillaient la progression de la caravane et poursuivraient en justice ceux qui entreraient clandestinement aux États-Unis. Les migrants ont commencé à arriver en voiture mardi dans un centre d'hébergement situé à 5 minutes à pied de la frontière en vue d'un drapeau américain flottant à un point de passage entre les deux pays. Les migrants disent avoir quitté le Guatemala, le Salvador et le Honduras en raison de menaces de mort lancées par les bandes armées ou bien en raison de l'assassinat de certains membres de leur famille ou de persécutions politiques. Et au Congrès, la réponse du président français Emmanuel Macron à l'Amérique d'abord. Le président français Emmanuel Macron a lancé hier un vibrant appel aux parlementaires américains pour un multilatéralisme fort contre le repli nationaliste dans un discours au Congrès en forme de critique de l'Amérique d'abord de Donald Trump. Le chef de l'État français, dans un discours en anglais de 3 quarts d'heure, a promu le rôle conjoint qu'ont selon lui les États-Unis, l'Europe et la France pour défendre l'ordre international, que ce soit contre le virus des fausses nouvelles ou pour régler la question du nucléaire iranien. Nous pouvons choisir l'isolationnisme, le retrait et le nationalisme. Ce n'est pas une option, ce peut être un remède tentant à nos peurs, mais fermer la porte au monde n'arrêtera pas l'évolution du monde, a-t-il déclaré. Son entrée s'est faite sur une ovation de 3 minutes des représentants et sénateurs dont plusieurs centaines étaient présents. Passage obligé, il a consacré une longue introduction à l'ancienne amitié franco-américaine. Dans la lignée des autres dignitaires et dirigeants français ayant reçu les honneurs du Capitole, depuis le premier d'entre eux, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette en 1824, face à ce congrès contrôlé par les républicains, il a défendu l'utilisation
l'utilité des institutions internationales fondées depuis la Seconde Guerre mondiale, jouant sur les sensibilités républicaines, en insistant sur la lutte contre le terrorisme et la promotion de la démocratie, et plus encore sur celle des élus démocrates lors du passage sur la défense de la science et du climat, en répétant au grand plaisir de ces derniers qu'il n'y avait pas de planète B. M. Macron a longuement plaidé pour le nouvel accord plus large sur l'Iran et la question nucléaire, dont il a ébauché les contours la veille avec son homologue américain, mais dont Moscou et Téhéran ont déjà rejeté le principe. 14 personnes du journal turc d'opposition ont été condamnées hier à des peines de prison pour terrorisme et 3 ont été acquittées, a annoncé un de leurs avocats. Je parle du journal Cumhuriyet. Les peines prononcées vont en 2 ans et demi de prison à 7 ans et demi, a déclaré l'avocat Özden Özdemir. Un autre accusé qui n'était pas employé par le journal et était jugé pour ses activités sur Twitter a été condamné à la peine la plus lourde, 10 ans de prison, a ajouté l'avocat. Les employés de Cumhuriyet étaient accusés d'avoir soutenu le réseau du prédicateur musulman Fethullah Gulen, Kankara juge responsable du coup d'État manqué de juillet 2016. Les accusés ont toujours nié. En Turquie, l'opposition enquête d'unité face à Erdogan avant les élections. Prise de court par la convocation d'élections anticipées dans 2 mois seulement par le président Recep Tayyip Erdogan, l'opposition en Turquie s'efforce de surmonter ses divisions pour présenter un front uni dans l'espoir de déloger le chef de l'État. M. Erdogan a créé la surprise en annonçant la semaine dernière que les élections législatives présidentielles prévues en novembre 2019 seraient avancées au 24 juin prochain. Bien que prises au dépourvu, les partis d'opposition se sont voulus sereins, se disant confiants leur chance de l'emporter face à M. Erdogan et son parti devenu une machine à remporter les élections depuis 2002. Pour y parvenir, ils multiplient les rencontres et les tractations afin de se donner les moyens de barrer la route à M. Erdogan, qui, s'il devait l'emporter, serait doté de pouvoirs élargis sans précédent au terme d'un amendement constitutionnel approuvé par référendum en avril 2016. 48 personnes exécutées en Arabie Saoudite en 2018. 48 personnes ont été exécutées en Arabie Saoudite depuis le début de l'année, dont la moitié pour des affaires de drogue sans violence, a annoncé hier Human Rights Watch. D'autres personnes reconnues coupables dans des affaires de drogue sont toujours dans le couloir de la mort, ajoute le groupe de défense des droits de l'homme. L'Arabie Saoudite a procédé à une série de réformes l'année dernière, mais les organisations internationales de défense des droits de l'homme lui demandent d'en faire plus et de modifier la façon dont sont traités les défenseurs des droits de l'homme, d'arrêter les exécutions et d'annuler son système de mise sous tutelle des femmes. L'Arabie Saoudite a procédé à près de 600 exécutions depuis le début de 2014, dont plus de 200 liées à des affaires de drogue. En Syrie, la conférence internationale des donateurs a permis de recueillir 4,4 milliards de dollars pour aider cette année la Syrie et ses voisins, un total en deçà des attentes de l'ONU après que les États-Unis n'ont pas fait de promesses de dons. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne font partie des pays qui ont promis une nouvelle aide pour les réfugiés syriens lors de cette conférence qui se tenait à Bruxelles et rassemblait 86 gouvernements, organisations humanitaires et institutions financières et régionales. Des promesses de dons à hauteur de 3,4 milliards de dollars ont été aussi recueillies pour la période 2019-2020. Une grande partie a été offerte par les membres de l'Union européenne, a déclaré le commissaire européen pour l'aide humanitaire Christos Stylianides. L'aide humanitaire va être acheminée aussi au Liban, à la Jordanie et à l'Irak, qui ont accueilli près de 6 millions de réfugiés syriens. Alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud tiennent demain leur premier sommet depuis plus de 10 ans, de nombreux Sud-Coréens ont revu durant cette décennie leurs attentes à la baisse, privilégiant la paix à la réunification. Cette détente de la péninsule coréenne, considérée comme propice à une éventuelle réunification, surtout dans la communication de Pyongyang, est l'occasion pour le président sud-coréen Moon Jae-in d'ouvrir un objectif plus pragmatique, la réconciliation. Pour de nombreux Sud-Coréens, l'hypothèse d'une réunification s'est éloignée au point de devenir irréaliste. Depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans, plusieurs décennies de provocations et de menaces militaires ainsi que les programmes balistiques et nucléaires menés par le Nord ont fini de causer de profondes divisions. Et l'Ukraine commémore aujourd'hui le 32e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, pire accident nucléaire de l'histoire qui a contaminé une bonne partie de l'Europe, surtout l'Ukraine, le Bélarus et la Russie. Alors,
République soviétique. Tchernobyl restera pour toujours une plaie ouverte dans le cœur de notre pays, a déclaré le président ukrainien Petro Poroshenko sur sa page Facebook, appelant à tout faire pour que cette tragédie ne se reproduise jamais. Dans la nuit, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une cérémonie commémorative à Slavutich, à une cinquantaine de kilomètres de la centrale, où la plupart de son personnel vit aujourd'hui. Le 26 avril 1986 à 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, explosait au cours d'un test de sécurité. Pendant 10 jours, le combustible nucléaire brûla, rejetant dans l'atmosphère des éléments radioactifs qui contaminèrent, selon certaines estimations, jusqu'aux 3/4 de l'Europe. Moscou a d'abord tenté de cacher l'accident. Si la première alerte publique a été donnée le 28 avril par la Suède, qui avait détecté une hausse de la radioactivité, le chef de l'État soviétique Mikhail Gorbatchev n'est intervenu publiquement que le 14 mai. Au total, presque 350 000 personnes ont été évacuées sur plusieurs années dans un périmètre de 30 km autour de la centrale. Merci vraiment, merci. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radio-Vision 2000 sur le www.radiovision2000.it. De retour à l'actualité de chez nous à 7h35. Le professeur Lemet Zéphir estime que le remaniement ministériel n'apportera aucun résultat. Il justifie sa position par le fait que les changements effectués par le chef de l'État ne visaient qu'à faire plaisir à ses alliés. De plus, fait remarquer le professeur Zéphir, les ministères les plus importants n'étaient pas concernés par ces changements, à l'exception de ceux de l'intérieur et de la justice. Pour lui, c'est pratiquement tout le gouvernement qui devait être renvoyé, à l'exception de quelques ministres, dont celui de l'éducation nationale, Pierre-Josué Agenor Cadet. Écoutez les déclarations du professeur Lemet Zéphir. Je ne suis pas capable de faire aucun bail spécial dans le remaniement ça, parce que c'est un bagage qui fait tout simplement à cause du monde qui était en alliance avec M. Jovenel Moïse, qui supportait lui, qu'on y a demandé pour changer de droite tête. Et ils ont changé quelques mondes dans une série de ministères qui n'ont pas vraiment un gros poids. Si vous étiez le ministère intérieur, après ça, l'autre ministère chargé Mounio, ce n'est pas un ministère qui a plus d'importance dans le gouvernement. Le ministère de justice. Oh bon, oui, justice. Après justice avec intérieur, pas qu'un autre ministère vraiment qui a un grand poids dans ce qui est retiré. Si c'est un bail gestion qui a réglé, disons question contrôle budget, effort, efficacité, moi je me bats bravo. Mais en même temps, nous sommes capables de poser toutes nos questions. Si on a changé ministère qui pas fonctionner par un service, est-ce que c'est 5 assez ou t'as dû changer? Parce que sinon, regardez, c'est tout gouvernement même, à part quelques graines ministres, ou capable de prendre quelques graines monde, pour un ministre d'éducation nationale, là où on a fait effort, pour être capable d'améliorer le système éducatif, là où on combat réel contre corruption, et où on comme ça, où est ça l'a fait. Mais, dans quel grand pile, non, dans le ministre qui l'a, où t'as capable de dire, ils ont été juste parce qu'ils ont fait mieux. Donc, si on voulait un bagage changer dans le fonctionnement du gouvernement, et si on voulait un résultat dans le VIA, c'est vision pour changer. Vision gouvernement, ça n'a pas bon. Vision président de la République, ça n'a pas bon. J'ai approché leadership gouvernement pas correct. Il n'y a pas de résultat. Pas de plan clair. Mon connaît et à suivre. Pas de série indicateur résultat ou capable de vérifier. C'est plutôt une politique qui chita sous faire Yomoun, le président et spécialement, et le problème manque vision, hein, absence plan hein, et motivation yo, qui n'est pas correct vraiment, qui n'est pas visé à améliorer la qualité de la vie de la population. Enfin, il faut mettre changer moun sous moun, n'a pas été dans la même situation, nous avons pu mal. Le professeur Lemet Zéphir, installation hier de Guiller Sedelva comme ministre de la Culture et de la Communication. C'est la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Marie-Gritawa Clément, qui a présidé la cérémonie. Elle a invité le nouveau ministre à travailler d'arrache-pied afin d'informer la population sur les différentes activités entreprises par le gouvernement et de faire la promotion de la culture haïtienne. Pour sa part, le nouveau ministre de la Culture a promis de promouvoir les intérêts et l'image du pays. Il s'est engagé à ne pas verser dans la propagande qui leur cède les lois. En ce qui concerne les projets du gouvernement, vous savez, très souvent, par manque d'informations, il y a des gens qui se trompent spécialement parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Par exemple, quand on parle de la caravane du changement, et moi je suis là pour faire comprendre à ces gens c'est quoi
la carrière du changement et qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça a déjà apporté. Il y a une équipe et déjà c'est ce qui justifie mon association, si vous voulez, mon engagement dans ce gouvernement, c'est parce que je sais que le président de la République a la détermination, le premier ministre a la détermination, et nous avons des ministres qui sont là, qui sont prêts à servir le pays, à donner le maximum d'eux-mêmes pour que le changement puisse avoir lieu dans le pays. Je suis très présent un peu partout pour faire passer le message. C'est pas une question de propagande. Moi, je suis là pour faire de la propagande. Si on pouvait nous travailler, ça c'est vraiment bête. Ça c'est ridicule. Du soleil, c'est de la propagande alors qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses dont on peut parler. La propagande, moi, ça ne m'intéresse pas que le bien de la culture, c'est que je vais me réunir rapidement avec les acteurs concernés de la secteur, des secteurs culturels, littéraires, artistiques, pour que nous puissions avoir une idée plus claire de leur préoccupation. On va être perdu parce que pas oublié. Le président de l'Association des magistrats du Sud-Est, Denora Antenor, dénonce le verdict rendu par le juge Lenore Julien, condamnant le citoyen d'Alola Guerre à 6 mois d'emprisonnement dans le cadre de l'affaire l'opposant au juge Eliarmand. D'Alola Guerre, qui doit verser également 490 gourdes en guise de dommages, est accusé d'avoir giflé le juge Armand lors d'une dispute entre ce dernier et le maire de Jacmel, Maki Kessa, l'aide avec Alex Moïse. Président association magistrat sud-est Denoir Antenor dénonce une décision tribunal correctionnel là dans le département sud-est la preuve à travers une ordonnance juge Lenore Julien Ron au commencement d'avril passé pour condamner citoyen d'Alou la guerre qui était une accusation qui pesait sous dos comme monde qui était soufflé tes juges Eliamant dans date de décembre 2007 passé pour le conflit qui était reposé magistrat communal là Manki Kessa à juge Eliamant pour passer 5 mois en prison et puis payer 490 000 gouttes comme dommage à Eliamant alors que maître Eliamant lui-même qui était soufflé tes magistrats Manki qui ça a fonctionné libéré dans la commune magistrat Denoir Antenor qui estime décision ça inacceptable ben conseil supérieur pouvoir judiciaire responsable toutes des autres qui gagnent dans le système judiciaire là le département sud-est là pour qui ça malheureux était agressé juge Eliamant yo condamné pour 6 mois de prison d'après information qu'il y a condamné pour le payer 490 000 gourdes et que juge de paix lui-même qui giflait magistrat publiquement qu'à présent l'a circulé libre CSPJ pas dans rien le commissaire du gouvernement qui c'est là qui l'a garanti la protection des citoyens qui responsable la justice pénale du gouvernement pour le département alors qu'elle pas fait qu'un suivi sous question pourtant puni ces individus avec la plus grande sévérité donc nous dénonçons justice déployée de mesures ça et nous dénonçons appareil judiciaire dans le département tout qui politisé au lieu que yo agit de manière scientifique, de manière technique. Est-ce que la justice li concerne un groupe moun, li pas concerne l'autre groupe moun yo? Est-ce que malheureux eux-mêmes, les yo commettre une infraction doit punir, mais nèg qui vient soucher dans politique, nèg qui gen moun derrière, yo qui doit faire ça yo vle, yo pas rien droit pour juger? Magistrat commune Belancelan qui dénonce un groupe politicien mafia qui prend contrôle appareil judiciaire dans département, côté c'est seul monde qui proche pouvoir, qui gen droit avec la justice, mande des populations lever campé pour combattre le système ça. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse, le président de l'Association des maires du Sud-Est qui Antenor qui dénonce le verdict rendu par le juge Lenore Julien condamnant le citoyen d'Alola Guerre à 6 mois d'emprisonnement dans le cadre de l'affaire l'opposant au juge Eliarmand d'Alola Guerre qui doit verser également 490 000 gourdes en guise de dommage et est accusé d'avoir giflé le juge Armand lors d'une dispute entre ce dernier et le maire de Jacmel, Maki Kessa. Maître Michel Blanc qualifie de nul et non avenu le jugement du tribunal des référés, ordonnant la levée des scellés apposés sur la maison du maire principal de Port-de-Paix, Josué Alusma, correspondance du Béis Augustin. Maître Michel Blanc qualifie ordonnance qui baille l'ordre pour lever scellés sous caille magistrat Port-de-Paix à Josué Alusma comme une ordonnance nulle et sans avenir à cause de Maître Fresnel Jean ordonnance dans l'Ipalé. Puis loin, Maître Blanc annoncé la poursuivre n'importe qui qui t'a levé scellés sous nom Maître Fresnel Jean. Michel Blanc. Oui, recevoir une ordonnance du tribunal des référés qui dit que il y a les vaisselés. Mais toutes les choses, moi, il faut que dans par ces motifs-là, moi, regardez-moi que c'est juge, maître Fresnel Jean. On ne pas connaître le tribunal pour les faire jusqu'à le maître Fresnel Jean. Mais ça, il y a un faux jugement. Donc, moi, je vais les vaisselés, parce que maître Fresnel Jean n'a pas de qualité, ni compétence pour que les gens capables d'ordonner les vaisselés. Parce que maître Fresnel Jean, c'est avocat, par contre, maître Fresnel Jean comme juge. Comment est-ce que donné de nous mettre Fresnel Jean, de plus que par exemple Fresnel Jean qui est juge. Donc, c'est un faux jugement d'arrêt.
docteur Marin qui va camper soin, docteur Axaka, un monde qui veut faire CDA, donc nous parlons de commissaire gouvernement qui met action publique en mouvement contre lui-même. On a rappelé, c'est maître Fresnel Durosé comme juge qui t'étendait une demande pour t'élever CDA. Métropole Nord-Ouest, Port de Paix, Augustin Dubréus, Vision 2000. Le directeur du Bureau des avocats internationaux, Maître Marie-Joseph, annonce la mise en place d'une nouvelle entité d'observation de concert avec plusieurs autres organisations de défense des droits humains. Cette structure a pour mission de veiller, entre autres, au respect du droit de la population d'organiser des rassemblements publics et d'apporter une assistance aux éventuelles victimes de répression de la part des forces de l'ordre, explique Maître Marie-Joseph. BAI préside pour mettre sous pied une entité qui gagne la donne plusieurs organisations de la monde. Pour faire observation légale sur la liberté publique yo, dans la manifestation, dans le sitting et la tribune. J'ai même un loi pays à la convention internationale yo, a été signée et puis ratifiée, exiger ça. Et puis, pour bailler assistance légale à les victimes de la répression, la police, dans la manifestation et dans le sitting. Nous gardons que la liberté publique yo, doit pour moun yo manifester, yo brimer. Si nous prenons exemple, ça qui passait dernièrement, nous donnons la police dit, yo manifestant, t'as besoin.